Bien le bonsoir les amis, bienvenue sur la chaîne de Fer, j'espère que vous allez bien. Nous continuons Direct Strike sur Warcraft 3. On va essayer de briser la chaîne de défaite, ce serait pas mal. Parce que là, on a pris pas mal cher, hein. Vraiment, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. J'aimerais bien que cela cesse, s'il vous plaît. On est en troisième position. Première mine. Ah, le bleu. Le bleu part gros aggro, hein. 4 fantassins. Pas de première mine. Très bien. D'accord, même strat en face. Qu'est-ce qu'on a en tier 3? On est au run. Job's done. Combat de footman, c'est quelque chose. Allez. Moi, ce qui m'attend, ma grande. Ok, alors on va perdre le fight. On va splitter un peu plus les ghouls. Ah non, on remporte le fight. Attends, avant qu'il fasse une Nova. Oh, la Dryade va la finir, même si. Ok, parfait. Ok, ça aurait pu être bien pire. C'est pas mal. On va bolir la magie. Et on va. Est-ce qu'on sort un héros? Ça serait quand même un sacré budget. Hein. Okay, bleu perd face au rouge. Grand Huntress et double paladin. Ah, la diversité, elle est flagrante. Hein. Oh, les deux boucliers divins, la même strat, exactement la même. Okay, après de la mid, il va un peu mâcher Spellbreaker. Ah bon. Mais ils ont des armures médium, les Spellbreakers. On va se faire déchirer du coup. Aïe. C'est bien, ils ont regardé tabasser Huntress, les ghouls tabassent les Spellbreakers. Tout le monde y trouve son compte. Bon, ce sera un héros du coup. Les gens ils cherchent à faire le héros le plus vite possible, mais moi je suis désolé, mais là, là j'ai pas de héros, je le défonçais, j'avais 500 d'or de plus. Je cherche pas Shaman, c'est mieux hein, que la sorcière pour le combat de. Pour le duel de fantassin. Qu'est-ce qu'on nous propose? Il a fait des Spellbreakers, c'est pas très intéressant. C'est pas fou. Hein.
que j'ai plus tard. Torrent, Wyvern. Je sais pas, faucon. Voilà, on va faire la papasse. Gargouille, hein. Ok. Pourquoi des gargouilles si j'ai pas de volant? Là, va falloir m'expliquer. Pourquoi il a fait des gargouilles? C'est complètement débile, hein. Counter. En plus, je vais en faire moi-même au tier 2. Attends, il est passé tier 2 pour faire ça? Parce que je comprends vraiment pas l'intérêt. Hein. Faire un petit upgrade. Les prêtres qui font le cercle de masturbation. Je pense que le mieux c'est de passer tier 2. Je pourrais payer des objets à mon héros aussi. Il a sorti une sorcière quand même. C'est complètement stupide. J'ai des dryades pour abolir les ralentissements. Je vais le déchirer. Je comprends pas comment il joue le mec en face. ...700 HP. C'est le moment de se démarquer. Oh, ça fait 200 de vie. J'attaque un peu le rouge. Le bleu devrait avoir l'avantage, du moins je l'espère. Oh, la Nova dans le tas de fantassins là, ça pique. Hein. Oh oui, ça pique. Le druide. Oh, pourquoi pas. Pourquoi pas un petit druide dans le tas pour faire le petit rugissement. Le druide corbeau. C'est du light. Les gargouilles sont pas si gênantes que ça. Si elles deviennent géantes, je ferai les dragons faucons. Je pense que c'est plus intéressant pour nous. Il doit passer tier 3. On a fait nos grilles d'armure. Allez, ça c'est une seconde mine, on prend la tour. Let's go. J'ai pu défoncer ces fantassins. Je vais même lui cramer des chamans. C'est l'effet boule de neige d'être en place.
Il n'y a plus qu'à consolider l'effort. J'avais dit qu'il passait, tiens, quoi. Medium, bah, faut des tauranes. Allez, tier 3, on passera. D'ici sous peu. Je suis désolé, mais c'est l'heure du goûter ici. Dernier repas de la journée. Petit level up. Moi ça m'arrange, je suis pas encore prêt contre les géants. T'as une des armées full vie. Ferry qui tabasse. Hein. Job's done. Oh mais 4 mines d'or. À la limite 3, je comprends. 14 minutes, on a pris la tour, on a le mid et tout. Je comprends. Mais 4. Oh les taurines, ils tabassent les géants. Oh le paladin du violet, comment il tient. Il a tenu toute la mêlée. Enfin, je recherche la pulvée aussi.
Merde, ma vague, elle est partie. Bon. On va avoir le temps de faire l'armure avant qu'ils arrivent en mêlée. Let's go. Eh merde, j'ai pas fait la pupée. Putain. Un peu le principe des Tauren hein, qui tape en AOE. Dieu, cette armada de berserker. Comme ça les gargouilles seront neutralisées. Trois filets, merci, au revoir. C'est ça, transformez-vous en pio-pio que je puisse faire les filets. Les regrets d'armure. Oh la reste sur les Tauren, c'est fantastique. C'est pour y contrer le destroyer, les dragons faucons. Ok. Enfin, va quand même pas falloir que je fasse des gargouilles.
Je le crains. Non, c'est pas la mienne, celle-là. Alors maintenant tu fais ton ulti, hein. Et 4 bonnes secondes pour le faire avant, hein. Que à tape, ah, c'est du normal contre les airs. Oh là là, c'est quoi tous ces gargouilles en fait? Et le violet il a 3 euros là, ok. Face slash. Research complete. Le problème c'est que les destroyers ils sont mis à magie, donc en fait les brutes du corbeau c'est rien que dalle. Ça va mieux avec les gargouilles. Oh mon ulti! Oh la dose de dégâts! Ouais, je lui ai mâché le taf. C'est quoi? C'est un Gimli géant, le skin? C'est un nain géant. Après, donc, un homme, quoi. Si je fais une merde, elle va se faire défoncer. Soit par les gargouilles, soit par les destroyers. Sans pouvoir riposter ni à l'un ni à l'autre. Non, à part faire des gargouilles, je vois pas. Hein. Refaire un héros et prier que ce soit un distance. Ouais, c'est pas mal aussi. Ah, ils ont plein de destroyers.
Goûte à mon ulti. Goûte à ma lame. Ulti qui blesse les destroyers pour je ne sais quelle raison alors qu'ils sont immunisés à la magie. Pareil pour les druides, ça touche. L'ulti de Tyrande, il est vraiment... Fait 23 de dégâts. Je sais pas si c'est de la magie ou quoi. Je vais mettre le silence. Et qu'il passe niveau. Qu'est-ce qu'on a eu? Firelord. Écoute, je vais faire avec. Ça reste en distance. Ah, c'est un agi. J'ai hésité en plus autour des 20 minutes. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup? Puis comme on avait l'avantage, faux sentiment de sécurité. En vrai, c'est peut-être ce qui nous permet de les pousser dans leur dernier retranchement. Enfin bon, j'ai vu le gars avec ses 4 mines, je me suis dit, je vais pas faire comme lui. Hein. Équilibré. Ok, aucun qui peut taper ces trois forces déjà. Beastmaster, bon, c'est un vogue dans le tas, vas-y, c'est toujours drôle. Je devrais lui payer une orbe par contre. Pour qu'il puisse taper en l'air les unités volantes. Qui réduit les dégâts. L'armure. De 5. Voilà. Évidemment, on prend le porc épique. Tyrande a repris un niveau. Silence. JT. Attaque spin. Je veux pas qu'il tabasse, je veux qu'il frappe vite. Faire fonctionner à mort son passif, parce que ses actifs ne m'intéressent pas, invoquer à ce stade du jeu. Là c'est les volants qui nous emmerdent. Quelque chose d'assez royal. Parce que les upgrades, bah on a tout. Oh, les démolisseurs qui ont commencé à tabasser la forteresse. Fini, mais c'est en bonne voie. Prendre le rang d'honneur à 560. La mettre sur Tyrande. Laura. Ou alors je fais plein de. Je fais pareil sur Tyrande. Pour que son auto-attaque soit démentielle. Je garde le dernier slot pour Laura.
On va faire ça. Ok, le Firelord, on se croirait dans Dota vu la vitesse d'attaque. Je rappelle qu'il est niveau 2. Et il tabasse. Très très vite. J'ai pas dit dégâts à noter. Oh, putain, qu'est-ce qu'il bougrit. Je nettoie bien, mais c'est pas encore ça. Hein. D'attendre pour l'or maintenant. La petite raise suite à un gros combat. Oh shit, son. Oh oui, en plus elle est protégée. Oh, je vais peut-être le faire jusqu'au bout. Ouais, c'est entièrement. Ouais, je suis bien mâché. Allez, ça y est, voilà. Le héros qui se fait péter à coup de démolisseur. Il y a 3 liches si parlons en termes de joueurs. Volcan qui va peut-être. Encore morte la forteresse, hein. 318. Ce n'est pas encore fini.
d'avoir un semblant d'artillerie. C'est vrai que 800 de portée, c'est... C'est conséquent. Job's done. Parce que là, on passe sur un setup vraiment de... De champ de bataille. Hein. Là, c'est plus un système de wave. Hein. Rouge va spawn. 318 HP la forteresse, c'est faisable. Avec des AOE et des conneries comme ça. Quoi, faut que je fasse des druides du corbeau aussi. On passe un joyeux moment à s'envoyer des fions comme ça. Ah, c'est pris un cyclone. Diversité. Hein. Mais il a 3 liches les unes stackées avec les autres, je croyais qu'il disait 3 liches dans la game. On s'est mal compris. Les dégâts d'incinération là, ça devrait faire le... Ça devrait faire des victimes. Perso full auto-attaque. Voilà, incinération, vas-y, fais-moi péter tout ça. Mais ouais, putain, il a vraiment 3 liches. Ah, mais elles sont pas fichées, les deux autres. Leur barre de vie, comme si c'était des héros. 4 disques. Non, mais ouais, c'est... Mais c'est ridicule. Job's done. Job's done. Ça vient de la part du mec qui est en train de spammer plein de druides du corbeau tellement il y a de volants en face.
en plus de Garouille, en plus de Dragon Faucon. Le volcan, il fait du dégât. Master va bientôt atteindre le niveau 6. Faire des wyrms, allez vas-y. Il y a tellement de volants que franchement on est plus à une wyrm près. Hein. Il y a presque. Oh, ça va être. Fini à coup d'ulti. Wow la vache. On a tenu le mid pendant 40 minutes. 40 minutes. Moi, avec 2000, j'ai dépensé plus d'or que ceux d'en face. 18 000, le violet. 18 000. Putain, la différence d'or que ça fait, c'est impressionnant. Bon, les amis, malheureusement, c'est la fin de cette VOD. Désolé, c'était un peu court. Mais le match était très très long. Et moi, j'avais une heure butoir. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là. C'était la chaîne de Fer. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo sur Direct Strike vous aura plu. Et je vous souhaite naturellement une bonne nuit. Et surtout, ciao à la prochaine !